Aujourd'hui, je vous montre comment vous connecter à la Smart Learning Suite Online. Premièrement, dans la barre d'adresse, vous pouvez écrire suite.smarttech-prod.com ou tout simplement cliquer sur le lien offert dans la description de cette vidéo. Ensuite, cliquez sur « Connexion de l'enseignant » et choisissez le compte Microsoft, puisque c'est dans ce compte que les abonnements ont été distribués. Vous pouvez continuer les procédures de connexion habituelles. Si c'est la première fois que vous vous connectez à la Smart Learning Suite, vous allez devoir vous choisir un pseudonyme, et c'est avec ça que vos élèves retrouveront leur classe. Sinon, vous arriverez sur la page d'accueil, et comme vous voyez ici, on peut voir l'identifiant de la classe. C'est ce code que vous devrez remettre aux élèves pour qu'ils puissent à leur tour se connecter dans votre classe. Sinon, c'est également dans l'accueil que vous allez pouvoir ajouter des activités ou revoir celles qui ont déjà été bâties. Si vous cliquez sur « Modifier la classe », vous pourrez renommer la classe, réinitialiser l'identifiant de la classe ou modifier la bannière.